Bonjour, un cycliste a fait 99 allers-retours pour se rendre au travail. À chaque fois, il a parcouru 16 km. Ainsi, il n'a pas pris sa voiture. Elle consomme 6,2 litres tous les 100 km et le prix du litre est de 1,99 €. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir calculer? Déjà, s'il fait 99 allers-retours et qu'à chaque fois il fait 16 km, la distance totale parcourue est donc de 1584. Donc l'opération à faire, tout simplement, égale, ici il faut taper égale à 1 fois B1. Bon, je vous montre, égale, il faut faire ouvrir la parenthèse ici, A1 seconde 4, 1 fois seconde. Ok, donc ici on a bien tapé égal 1584. Si jamais je change mon 16, que je mets 15, ça ne fait plus 1584, ça fait 1485. Donc là je remets bien mon 16 km par aller-retour. Alors si 200, on va la consommer donc 98 litres. Alors pour trouver ça, on fait C2 fois C1 sur 100. C'est-à-dire qu'on consomme 6 litres 2. Et on regarde combien de fois j'ai 100 dans 1584. 1584 est égal à 1584 fois 100. Du coup, 1584 fois multiplié par 6,2 égale 98,208. Donc ce sont les litres consommés. Ce qui va coûter, moi c'est beaucoup plus simple, égale D2 fois multiplié par C3. Voilà. Voilà comment on peut faire avec la calculatrice du tableur. Voilà, le tableur au départ, hein, c'était. Alors c'était où le tableur? Je vais reprendre le menu. Accueil. Donc c'était là. Hein. Ok. Voilà, donc là j'ai tout perdu. Donc si je veux faire, si je vais à l'accueil, je fais tableur OK. En fait, faire attention, je dois tout retaper. Alors ici, je l'ai fait sur ordinateur, donc c'est pareil, c'est le même type de formule. Ici, j'ai mis égal à la case E3 divisé par 100. Pour les nombres de litres, égal à 4 fois F4, etc. Ensuite, pour ce travail sur la voiture et la consommation, on peut utiliser ce fichier qui est dans le lien. Donc là, le prix a été réglé à 1,99 €. Le réservoir plein est fait 120 litres. 120 litres le réservoir plein. Je vais à la pompe, je remplis, je mets 120 litres. Bon, on n'est peut-être pas obligé de mettre 120 litres. Donc je vais remplir un petit peu moins. Contact. Et là, j'ai mis 108 litres. Hein, en fait, ça a été partagé en 20. Donc 18 vingtièmes du réservoir, 18 vingtièmes fois 100 litres égale 108 litres. J'avais bien 18 vingtièmes. Alors, si jamais ma distance à parcourir est de 1584 km, que je consomme du 6200, ici il va s'afficher au fur et à mesure que la voiture avance, la distance parcourue et la consommation en litres. Et ça va correspondre à un certain prix. On devrait retrouver normalement le 195,43 €. On vérifie ça. Go. Donc le réservoir descend. Et j'arrive bien à 195,43 €. Il reste un petit peu d'essence dans le réservoir. Hein. Il reste 9,8 litres à peu près. 9,8 litres. Si j'avais pris un réservoir plus petit, par exemple un réservoir de 80 litres, à ce moment-là, contact, contact, rien du tout. Ah, excusez-moi. Contact, il faut d'abord remplir ici. Donc je remplis un petit peu. Voilà. Alors je mets combien de réservoirs?
68 litres. Bah, si je me mets 68 litres, go. Eh ben, je suis en panne. Je ne peux pas faire mes 1584 km. J'arrive à 1096,77. Bon, voilà. Donc, tu as ce fichier dans le lien. Ta calculatrice pour faire du tableur. À toi de bien t'entraîner. Au revoir.